Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Il y a un plaisir pour nous avoir dans le premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi c'est Jacqueline Bélisère, quelques un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, Parti démocrate là, à Kamala Harris et Tim Walz, et Parti républicain à Donald Trump et J.D. Vance, mené campagne sous plusieurs thèmes parmi eux. Avotement. International Iran continue à menacer pour le venger l'envoi dans Téhéran chef politique Hamas là, Ismaël Haniyeh. Dans le pays d'Haïti, police nationale a recevoir 20 machines blindées pour combattre gang Améo qui continue à semer la terreur dans le pays. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est lundi 26 août 2024, donc son mois qui pratiquement mois d'août là a fini. Et puis actualité a mené nous dans guerre la Russie qui a fait contre Ukraine, et ben au moins il y a 4 monde qui mouri, on dizaine l'autre blessé après que la Russie et ben l'état lapidé Ukraine en bas missile et drone sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Sandra Lemaire gain détail. La Russie attaqué Ukraine à un paquet de missiles et drones que autorité a dit tué 4 moun, blessé plus passé une douzaine moun et puis endommagé installation électricité. Président Vladimir Zelensky décrit dernier attaque comme dégoûtant. Monsieur dit, pas de gain aucune restriction sur porter des armes pour Ukraine. Dans le moment terroriste, pas de aucune restriction eux-mêmes. Un cap défendre la vie, pas de faire face à restriction des armes. Pendant la Russie, servir à toute qualité des armes, ensemble avec drones, Shahed et puis missiles balistiques qui sortent de Corée du Nord. États-Unis, Royaume-Uni, la France et l'autre partenaire, ils ont un pouvoir pour aider nous à suspendre la terreur. Nous besoin de décision. Attaque à plus passé 100 missiles et même quantité de drones, t'es en main vers minuit et puis durée jour soleil là, t'es levé lundi, dans ça qui semblait plus gros attaque russe lancée depuis quelques semaines. Aviation ukrainienne a dit au digdal drone russe t'es tiré sur région Est, Nord, Sud et Centrale Ukraine et puis après ça, missiles croisières et balistiques t'es suivent. Agence Nouvelle Reuters fait connaître journaliste Ryan Evans, qui est membre de l'équipe qui a couvert la guerre Ukraine, mourit et puis deux autres journalistes blessés dans une frappe russe qui fait dimanche contre un hôtel dans la ville Kramatorsk dans SPIA. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous connaissons deux gros guerres qui gagnent au niveau mondial, la Russie avec Ukraine et puis gagnent Israël avec Hamas. Nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté résident palestinien dans la ville Hamas, dans Gaza, qui était sauvé à cause d'opération militaire israélienne. Ils ont commencé à retourner la caillou pendant que négociateur pour accord campé tiré dans Gaza pour discuter sur une nouvelle proposition compromis pour faire une entente entre peuple israélien et Hamas. Eh bien, nous parlons Valérie Saint-Louis pour plus de détails. Résident palestinien dans la ville Hamad, dans le quartier Khan Yunis, dans Gaza, qui était sauvé, court échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, a commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne a fini faire retrait dans la zone. Équipe secours a été ramassé cadavre en bas des combios et puis résident a été retourné, il a constaté dommage et destruction qui fait dans la ville ça que Qatar a financé. Randa Samour, qui est un résident dans la ville Hamad, a dit que le tétourné joint Kaili moitié détruit et puis il dit qu'il n'y a pas aucune sécurité encore. Moi, j'ai couru quitter la ville 10 fois et puis moi, j'ai tourné depuis le commencement de la guerre. Juif, j'ai arrêté ma rime, ça fait 6 mois et puis moi, j'ai pas aucune information sur lui. Merci, bon Dieu. En tout cas, m'a fait louange, bon Dieu. Moi, j'ai vu une caille. Moi, j'ai une caille sans escalier. Moi, j'ai une moitié caille qui allait. Mes amis, vous ne comptez pas sur qui ça pour crier. Si c'est sous caille, sous tête ou soit sous déplacement. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous, c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a l'autre résident palestinien dans la ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Moi-même, moi, t'es venu découvrir Kainouan qui t'est frappé. Kainou t'est bombardé. Papa m'a disparu pendant 5 jours dans la ville Hamad. Et je dis à nous te recevoir nouvelles sous la molle. Il y a l'autre résident palestinien dans la ville Hamad qui c'est Zoukair Al-Hindi, t'es parlé pour le dire lui-même tout.
مدينة حمد فيش كان أحلى منها في العالم كله. بادي أنيان dans le monde entier qui pi belle passé ville Hamad. Yon belle ville. Regarde ça qui rive li. Gardez destruction yo. Filmez destruction non. Filmez ça qui rive li. Ville la fini d'y aller. Nous par contre qui côté pour nous rester, qui côté pour nous aller mes amis. Samedi que saute passé là, négociateur pour accord campé tiré avec libération otage dans Gaza, t'es discuté sur une nouvelle proposition compromis dans ville Caire dans pays Égypte. Il a cherché faire un pont entre peuple israélien à Hamas pendant que Nations Unies t'a rapporté que conditions humanitaires vin pi grave. Et puis malnutrition a monté avec cas maladie polio que découvrir dans zone. Résident ville l'a fait connaître que depuis jeudi 22 d'août, tant qu'Israélien ont avancé dans l'ouest, dans zone Al-Karara, dans Hamad, dans quartier Khan Younis, ça qui t'a poussé famille au sotina abrio ak en battantio, parfois en bas gros coup de zam que tank ak drone yo t'a tiré. N'a rappelé que attaque 7 octobre là t'a touyé 1200 moun sous bord par Israélien. Autorité la santé palestinienne fait connaître attaque peuple Israël là lui-même t'a touyé plus passé 40 000 moun. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Sous même de ces ça, les États-Unis dit que Israël toujours en bas menace Iran. Iran, lui-même qui dit que l'Israël est pour venger la mort et chef politique Hamas là, en parlant de Ismaël Haniyeh, qui était tombé en bas balle dans Téhéran. Après Hezbollah libanais ou même yote ciblé et Israël à Kouaket et à Drone pendant week-end comme responsable pour assassinat et pour assassinat Israël sur un gros commandant dans Hezbollah. Vous souvenez ou à Creole, ou à suivre le programme dans la Creole haïtien. Résident palestinien dans ville Hamad, dans le quartier Khan Younis, dans Gaza, qui t'est sauvé, court échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, t'est commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne fin fait retrait dans la zone. Équipe secouru t'est ramassé cadavre en bas des combios, et puis résident t'est retourné, y'a constaté dommage à destruction qui fait dans ville ça, que Qatar a financé. Randa Samour, qui c'est un résident dans ville Hamad, t'est dit que t'est tourné, joint Kaili moitié détruit, et puis il dit qu'il n'y a pas gain aucune sécurité encore. Moi t'ai couru quitter ville là 10 fois et puis moi t'ai tourné depuis commencement la guerre. Juif yo t'ai arrêté ma rime ça fait 6 mois et puis moi pas gagné aucune information sous lui. Merci bon Dieu. En tout cas, m'a fait louange bon Dieu. Moi ka vinn wèk kay moi. Moi jwenn kay moi sans escalier. Moi jwenn moitié kay là qui allait. Mes amis, ou pas contre sous qui ça pour crier. Si c'est sous caillou, sous tête ou au soir sous déplacement yo. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a l'autre résident palestinien dans ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Moi-même moi t'ai vienne découvrir caillou qui t'ai frappé, caillou t'ai bombardé. Papa me t'ai disparaître pendant ça. Sorti dans la région Moyen-Orient, n'a pas entré dans l'actualité et pas boy site aux États-Unis pour nous parler de élection candidat pour force, pour poste vice-président parti républicain. J.D. Vance a déclaré dimanche 25 août là que les papes imposaient une interdiction fédérale sous question avortement aux États-Unis si lui-même avec Donald Trump remporte course pour la Maison Blanche. Pendant ce temps, ticket présidentiel démocrate là, Kamala Harris et Tim Walz, eh ben ils ont même continué encourager message sous droit reproduction Kaime Damio pendant les annoncer un chiffre record dans don campagne là recevoir Jean-Robert Philippe. Candidat désigné pour poste vice-président parti républicain, J.D. Vance, qui a participé dans l'émission Mythe de presse sur chaîne télévision NBC, t'a répondu à une question si oui ou non, il prend engagement pour ne pas imposer une interdiction nationale sous avortement s'il remporte l'élection en novembre. Absolutely commit that. Dit répond absolument moins capable prendre engagement ça. Réponse ça arrivait deux jours après ancien président Donald Trump t'a écrit sous plateforme réseau social IA True Social pour dire administration moyen a bon pour mesdames yo a droit pour y reproduire. Mais quelques républicains dans le Congrès ont encouragé pour avortement interdit dans tout le pays. Vance était en bas pression pour répondre à la question ça dans le programme NBC. Si oui ou non, Trump est capable de poser veto sur un mode de législation comme ça. S'il retournait dans la Maison Blanche, candidat pour poste vice-président a répondu. I think he would. He said that explicitly that he would.
moi quoi li capable li déclarer ça explicitement li capable. Campagne présidentielle Harris Walsa avait dit pour dire droit reproduction capable d'effacer son administration Trump. Candidat désigné pour poste vice-président Parti démocrate Tim Walz a adressé ces questions pendant dernière convention nationale Parti démocrate là. And they will ban abortion across this country with or without Congress. Yo pral interdit avortement fait dans tout pays avec ou sans Congrès. En général, analyse de chantier louange pour succès convention nationale Parti démocrate là. Démocrate yo espéré la traduit comme un obstacle dans sondage yo. Campagne là annoncé dimanche 25 août là, li collecté 540 millions de dollars depuis jour yo té lancé campagne là. Sénateur indépendant Bernie Sanders exprimé optimiste à précaution course pour Maison Blanche vice-président Kamala Harris là clair. Sénateur Sanders, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, parle pour dire. I think it's going to be a rough campaign. I think the vice president. Moi, quoi, c'est pour aller une campagne difficile. Moi, quoi, vice-président gagne bonne chance pour lui remporter la victoire. Certainement, il pourra remporter plusieurs millions de votes populaires. Moi, quoi, lui gagne grosse chance pour remporter l'élection dans un pile état qui est capable de décider résultat élection dans un camp ou bien dans un autre. Sénateur républicain Tom Cotton, qui a participé dans le même programme ABC This Week, là, pas d'accord. L'a déclaré. Donald Trump est président en vain. Les Américains connaissent ça, t'es fait. Ils connaissent li au courant, mode douleur, ils souffrent pendant 4 dernières années sous l'administration Harris et Joe Biden. Non. Moi, quoi, le peuple a paré pour retourner Donald Trump dans la Maison Blanche. Campagne Parti républicain avec Parti démocrate là, planifié plusieurs rencontres populaires pour ce maintenant. Vice-président Harris avec Colisiel a participé dans une tournée dans autobus dans l'État Georgie mercredi. Trump, beaucoup de parle, capable d'organiser une rencontre populaire dans l'État Wisconsin jeudi, avec une autre rencontre dans l'État Pennsylvanie vendredi. Veronica Balderas, Iglesias, te prépare pour ça, pour ça, la nouvelle voix de l'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, te traduit et adapté pour VOA Creole depuis l'État Maryland. Donc 2024 là c'est année électorale ici aux États-Unis, donc nous déjà dans fièvre électorale là côté coin deux partis, deux principales partis pays là, ils ont même y a mené campagne surtout après dernière convention qui s'est faite là, ils s'est faite dans ville Chicago dans état Illinois côté que tu as participants qui sorti tout partout qui te viennent et prend part à convention ça et parmi pays gain Haïti. C'est comme ça Clarence Renoir qui c'est leader unir lui-même qui essaie joignon qui essaie de jouer un événement ça, il y a une source d'inspiration par rapport à pays d'Haïti, Clarence Renoir. Inspiration, c'est que pour démocratie à fond, tant qu'il faut aux États-Unis, parce qu'il y a des événements qui passent, que tu as chaviré, expérience démocratique américaine, non tout. Pas besoin d'aller loin. Et faux parti politique, fort. Force parti politique, là, il réside tout dans la capacité pour mobiliser les gens. Pour gagner des adhérents, pour gagner des membres, pour gagner des gens qui financent, mais aussi pour gagner des volontaires. Souvent, c'est trois éléments ça pour moi-même, moi qui fait force démocratie. Alors, deux éléments ça principalement qui fait force démocratie. C'est capacité pour gagner des gens qui viennent dans le parti, qui m'emblient. Alors, d'abord, il y a des capacités que le parti a gagné lui-même pour rassembler des gens qui sont dans 50 États, plus 96 pays étrangers, pour venir garder tout le bagage. C'est une puissance économique fort qui mettait là. Et deuxièmement, et ou gen des volontaires. Donc des monde qui croient dans l'idée de démocratie, qui croient dans l'idée d'un parti politique à véhiculer qui vient porter coup de main là-dedans. Donc faut croire là-dedans. Donc faut qu'à mobiliser monde, faut qu'on essayer vendre l'idée pour monde venir faire ça. Et en plus de cela, c'est que ou gagner parti à ramasser, on est capable de dire et revendication monde yo, attente yo, espérance pour transformer la politique publique qui va retourner vers mon nom encore pour dire mais soit demandé mais ça va nous retourner pour tes barreaux mais changement que pour tes barreaux dans soit demandé dans la mesure du possible, il faut dire comme ça. Donc pour moi même c'est extrêmement intéressant pour aller venir ça. Démocratie a pas un bagage qui est en l'air mais qui y atterrit vraiment l'on vient dans l'ogade des réalités au cas touché au cas touché. Et deuxièmement, donc pour moi même son leçon extraordinaire pour me dire mais qui gens nous capables de faire la démocratie nous fonctionner
pour venir renforcer sans qu'on pas renforcer parti politique yo. Et c'est ça qui gros faiblesse démocratie dans le pays d'Haïti, c'est que parti politique yo faible, yo impuissant, yo pas capable faire rassemblement type de rassemblement ça yo. On va pas parler dans dimension ça moi là, son bagage gigantesque. Mais faut qu'on rassemble les gens, faut qu'on parle avec les gens, faut qu'on capable vendre les gens l'idée, faut qu'on faire que les gens ça contribuer à faire fausse partie à tout quelque part. Donc nous pas arriver dans ce stade ça. Donc nous avons encore on capable dire dans béaba démocratie on pas capable arriver vraiment dans gros lettre et dans démocratie qui fait que l'Oueli ou une certaine frustration quelque part ou dit ou pas croire qu'il va arriver dans dimension ça, mais en même temps tout ouvrir l'espoir pour apprendre dans la mesure du possible ça ou là. Et d'accord dit Jacqueline sans considération idéologique de il y a parti républicain tous ces mêmes bagages là ou d'après en termes de machine de tout bagage, mais nous venons dans parti démocrate là c'est un dia qui invite nous, donc nous nous apprendre et nous penser nous capable peut-être à le faire des expériences en Haïti qui pour permettre démocratie après prend Jeffrey prend j'arrête. Professeur Clarence Sonnois, qui s'est leader uni, t'es parlé avec nous en marge. Convention nationale Parti démocrate, là, qui t'a déroulé dans Chicago, dans l'État Illinois. N'a pas pour nous, et partager avant toute interview, ça, que nous t'ai gagné avec. Côté que non seulement nous t'ai ouais question qui gagne rapport avec convention, mais nous t'ai ouais tout actualité, actualité politique, là, dans pays d'Haïti. L'autre point, dans actualité, ou toujours sous VO à cœur, l'obsession programme dans langue créole haïtien. Mexicain, ou mettez sous pied, yon marge pour protester contre révision judiciaire président sortant Manuel López Obrador proposé. Marie-Luce Pierre. Membre de la justice mexicaine et la société civile là, t'es prend la rue dimanche 25 août là pour protester contre une réforme judiciaire qui soulevait en pile parole en pile président sortant Andrés Manuel López Obrador t'es proposé. Manifestants ont été rassemblés dans le centre-ville Mexique avec drapeau yo nan meyo, pancatio et puis ils ont chanté qui était accusé président comme quoi il était gain intention effacer indépendance dans le système justice là. Officier judiciaire Carlos Rocha a exprimé sentiment vis-à-vis marche ça. Lo fundamental de esta marcha diría yo a diferencia. Noyo marche là pour moi ak sa ki fait li différent de l'autre monde et ses travailleurs pouvoir judiciaire en fédération qui était organisé. Moi assuré ou gagne un sentiment en mitan nous que gagne un bagay dangereux k'ap vini non seulement pour nous-mêmes mais pour système démocratique là en général. Réforme qui soulevait en pile parole en pile là côté juge yo qui gagne parmi yo juge cou suprême yo ta doué élu par vote populaire, c'est une gros priorité pour López Obrador qui discutait que les poils aider combattre impunité à corruption. Pour juge Marie-Trini Juarez, c'est démocratie qui a risque. Ça qui est en jeu ici là, c'est démocratie dans pays ça. C'est peut-être ça, société civile là ici là, pouvoir exécutif là kounye là nan men yon seul monde. Bien que gen ministre, mais fondamentalement président Andrés Manuel López Obrador a pris une décision yo et livre les justice qui dépendent de partis politiques yo pour contrôler yo. Opposant réforme nan di élection populaire juge yo ta mette fin nan carrière qui basée sous mérite yo et puis fait système judiciaire plus vulnérable ak influence kap soti de yo tant kou parti politique ou soit même groupe crime organisé. Autorité électorale mexicaine vendredi 23 août là confirmé que parti qui sous pouvoir parti Moreno a calié lio pour gagner une super majorité deux tiers dans chambre basse là, mais il pourra juste manquer une super majorité dans Sénat. Le nouveau mandat législatif a commencé dans le mois de septembre. Même point de vue, nouveau président élu Mexique, Claudia Sheinbaum. Que yo voy a hacer aquí la pregunta de nuevo. Moi, je vais demander encore, j'ai moins été fait pendant la campagne, et puis nous t'ai bien gagné ici, là, avec dans tout le pays, là. Moi, t'ai qu'on demandé ça qui est plus bon. Justice dans la Cour suprême, dans élu par le Sénat République, là, ou soit par peuple, là. Dans Mexique, qui dit peuple Mexique, c'est démocratie. Démocratie pour élu président, démocratie pour législateur, avec pouvoir judiciaire tout, pour ce un pouvoir judiciaire dans le service peuple-là. Déclaration président élu Mexique-là, Claudia Sheinbaum. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. L'autre point dans l'actualité, on a prêté toujours dans la région Amérique latine. Et bien, il y a dans Venezuela, il y a Edmundo González, qui était candidat parti et opposition. Et bien, il n'est pas allé dans la convocation que Paquet Eiffel, 28 juillet, qui était passé. Et bien,
qu'on y a les joignons l'autre convocation encore pour demain Madia. Et faut dire que Edmundo González toujours crié que c'est lui qui remportait la victoire sous président Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui te joigne une victoire à 52%. Voyons donc toujours une discussion dans la question. Et je dis sans surprise, tant qu'en pile spécialiste deal, et bien tribunal supérieur justice TSJ, et bien il baille Nicolas Maduro vainqueur pendant ce temps tout. Et au niveau communauté internationale, toujours gagné une réaction d'épaiement sous victoire Nicolas Maduro qui a pris l'autre mandat. Et puis, dans le pays de la France, garde à vue patron russe Telegram en parlant de Pavel Durov. En France, il est prolongé pour jusqu'à mercredi, donc après-demain. Donc, on a su pour situation ça pour et patron russe Telegram en parlant de Pavel Durov. Et puis, dans l'année, ça a plus passé 132 monde qui mourit dans l'inondation dans le pays Soudan. Vous souvenez au Créole, actualité à dans le pays d'Haïti, dans un petit moment. Merci d'être ou branché dans le moment. Nous voulons tout profiter, dit Jean-Robert Philippe, qui était en vacances. Bon retour. Mais nous n'avons pas besoin de dire bon retour parce que moi-même, j'étais toujours à travail. Jean-Robert était en vacances. Donc nous dit Jean-Robert Philippe, bon retour. Vous souvenez au Créole. Merci d'être toujours branché sous VOA Creole. N'a pas mettre depuis Washington DC. En Haïti, police nationale là, avec mission internationale, là, on peut recevoir 20 machines blindées pour combattre gangame, qui pas suspendre si mais l'intérêt dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. Environ 20 machines blindées transport troupes livrées à la police nationale d'Haïtien pendant le week-end. Machine Sao qui équipée de tourelles, c'est une commande gouvernement Ariel Henry a été fait dans le pays Émirats Arabes Unis dans fin l'année 2023. États-Unis, les mêmes tours, l'hypothèse route Saint-Li, pendant le bail de nouveaux blindés Max Pro qui équipé tout de tourelles. Équipement Sao, il remet à commandant mission multinationale stabilisation sécurité, Godfrey Utunga, dans le cadre d'aide américaine, commandant sud, l'armée américaine prévoit tout livraison avant longtemps 24 machines MRAP dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Machines blindées SAO pral permettre renforcement capacité police nationale là à policiers kenyans qui présent dans le pays d'Haïti. Objectif là, c'est bay moyen qui nécessaire pour intensifier opération contre gang Améo qui continue à causer troubles dans plusieurs quartiers dans la capitale haïtienne. Pendant temps ça, police nationale là li pas chômé dans une opération tête collée, unité spécialisée PNH, tako unité tactique anti-gang, groupe intervention PNH, y arrivait éliminer plusieurs bandits pendant échange coup de zam dans la localité Jasmin et Échalote dans Gressier dans sud capitale là. Police là arrivait saisir tout deux armes à feu pendant intervention. Police nationale d'Haïti sous direction Normil Rameau, directeur général là, dit les déterminer pour continuer bataille contre gang criminel yo. Objectif là c'est reprendre toute zone bandits occupée pour établir l'ordre avec la paix sur tout territoire national. Pendant le week-end, Normil Rameau rencontrait partenaires internationaux dans Klessin pour discuter de renforcement capacité institution. Discussion yo techita sur collaboration entre police nationale, programme Haitian Citizenship Security Program et International Narcotic and Law Enforcement INL. GFORS a montré engagement communauté internationale là pour courir Haïti dans bataille contre insécurité et puis restaurer la paix en deux pays. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Eh bien, il y a l'autre source poche du gouvernement, police nationale là, qui fait qu'on est que il y a l'autre matériel encore qui gagne pour venir et débarquer dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, conseil présidentiel de transition, installé 8 sous 10 membres, comité pilotage, conférence nationale là, avec objectif 3 grandes missions pour retirer Haïti dans isolement socio-économique et politique. Il y a un reportage, Renat Toussaint, depuis Port-au-Prince. Par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale.
C'est par rapport à l'arrêté présidentiel ça que le président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils installé commencement week-end passé à membres différentes personnalités importantes qui constituaient comité pilotage conférence nationale en présence membres capitéo et diverses autres personnalités importantes. Comité pilotage ça composé à 10 citoyens mais c'est 8 qui étaient présents dans la cérémonie installation. Enex Jean-Charles, qui joue le rôle président, ancien premier ministre, Joram Vixama, Amari Joseph Noël, Antoine Louis, Nora Jean-François, Widlin Pierre, Gédéon Charles, et ancien ministre touriste, Christine Stephenson. Comité a gain 3 grands chantiers pour exécuter d'après président Capitéa, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. Sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Edgar Leblanc-Fils exhortait le comité pilotage là pour remettre un rapport sous révision constitution 3 mois après installation. 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Congrès et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Cependant, Gagnon, dirigeant organisation Droits Monde en Haïti, Agit pour Haïti, qui dit qu'il y a doute par rapport à la démarche, ça, à cause de problèmes d'insécurité pour qu'on résoudre. Qui dit conférence nationale, cela signifie que il y a un déplacement qui vient pour faire les conférenciers pour y aller en province, pour y rencontrer moun, etc., etc., pour demander leur doléance, pour discuter avec les autorités, et etc., etc. Bah ouais, qui côté pour le passer pour faire? C'est un dossier que nous suivons de près. Où est-ce tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Eh ben n'a dit que grand point cap dominé actualité a gain d'abord et en pile activité au niveau de patio et côté que deux principales parties dans pays a que même cap organiser campagne électorale, c'est un coup de fou en pile analyse, c'est un coup qui très serré. Par exemple, candidat pour poste vice-président parti républicain, en parlant de J.D. Vance, eh ben il déclarait que dimanche 25 août là que il n'a pas imposé aucune interdiction fédérale sur avortement aux États-Unis si lui-même avec Donald Trump y a passé. Donc tu connais que c'est un bagaille qui caractérise parti républicain qui c'est question et interdiction avortement, alors que parti démocrate là lui-même c'est ça il est en anglais pro choice, yo même yo dit que moun nan gen droit choisir selon situation pour choisir faire avortement ou bien pas. Donc c'est un pile activité qu'a fait entre deux parties et semaine qui s'est passée là dans Chicago dans état Illinois, c'était convention parti et démocrate là qui finit et qu'on y a gros événement qui pral gagner yo moun ka attend yo, c'est que en dehors de toute sortie qui pral fait et en termes de campagne électorale, eh bien pral gagner ça ou les débats entre et candidat. Donc il y a une question que n'a pas pour, et puis dans guerre la Russie, eh ben n'a dit que au moins il y a 4 moun qui mouri, une dizaine l'autre blessé après la Russie lapidé Ukraine en bas missile avec drone qui sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et nous saluons Valério qui était là avec Mounio pendant ce matin. Moi il bat là, m'bagata rencontre avec, donc on dit Valério bon travail comme d'habitude, et nous saluons tous les amis qui ont même été choisi brancher sous VOA Creole qu'on y a là. The Great Stalin, merci en pile, et puis gentil Augustin Junior, c'est lui qui est là, et Nathan Abela demain. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambert. À demain.
C'est vrai que le pas trop long, mais tendez-le et n'a retendez le temps en temps et puis moi Désir Venesse pral fini avec information avec détail. C'est concernant dossier sanction que y a pris en compte ensemble de et autorités qui étaient passées dans le pays, soit comme ancien président, ancien sénateur, ancien député, ancien ministre, ancien premier ministre, nous allons garder ça yo et nous allons continuer à garder dossier la police temps, opération qui a mené, matériel qui arrivait, entre temps, en temps de tout ça, et nous avons qui est lié, et nous avons qui est lié, moi avons dit venir ça. Pourquoi sanction? Bon gagne capel lobby a pe avocat ou pas comment bamba pour pas mettre yori voler hein gampil voler dans pays oh pays c'est chat seulement mené c'est chat seulement que pays attendez pour qui aucun vacabo qui dit ça ça la casse dans bonne chat même moi même sorti chat c'est ou pas sanction bon gagne capel ou pas sanction ou pas sanction Ou pas sanction. Bon, gagne capel lobby à pe avocat ou pas comment bamba pour pas mettre yori. Voler. Hein? Gampil voler dans pays. Oh, pays c'est chat seulement mené. C'est chat seulement que pays attendez. Pour qui aucun vacabo qui dit ça, ça la casse dans bonne chat. Même moi même sorti chat. C'est Merci au pile. Désir, ça c'est Jecteur Anakassis lui-même, qui c'est ancien sénateur. On a vu sous ça, oui. On a vu sous détail sous ça, ça c'est Anakassis, Jecteur qui a parlé là. Et entre-temps, Désir Venesse, nous allons venir avec l'autre détail. Parce que émission jeudi, hein, émission 4 pour vérité ça, Désir, nous allons dire pile cause la donne. Mais entre-temps, on nous permet que Zamio, nous allons venir avec un pile information qui pral vraiment et intéressant que Zamio pral connaît. Je te dis, sous dossier Matéli et sous dossier et l'autre information encore. Désir gagné Haïti Channel Network qui lui-même ba information ça. Et m'a dit le comme ça, sanctionné par États-Unis, ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur qui t'a semblé quitter et États-Unis qui t'a semblé bien dit quitter États-Unis, État Floride et semblé direction Martelly, l'Italie pas à l'autre côté que Haïti. Ça un premier élément information. Mais gagne question qu'a posé, est-ce que vraiment que ancien président Martelly que l'il quitter États-Unis vraiment? Ou dis-moi, est-ce que le toujours États-Unis? Et s'il t'a quitté États-Unis, qui côté l'allé vraiment? Est-ce que ça est-il allé? Est-ce que c'est dans l'antique l'allé? Et s'il toujours États-Unis, est-ce que c'est dans l'État Floride? Que les que, en pile information que tu as fait qu'on est que, c'est dans l'État Floride que l'État est. Bien que, selon sa cap dit, que ancien chef de l'État, monsieur, qui a problème sérieusement, Désir Venesse. Il a dit que c'est. Nous capable dit OFAC qui lui même c'est une entité dans pays États-Unis n'a songé qui te prend sanction contre ancien chef l'État le mardi 20 août 2024 là et au reproché Martelly pour question et corruption et trafic de drogue et selon en pile média en Haïti quoi à l'étranger mais c'est ça au reproché avec ancien chef l'État qui c'est Michel Joseph Martelly que nous pral cadé et nous pral avancer avec des détails sur ça. L'autre information Désir Venesse concernant et ancien président Michel Joseph Martelly. Donc on est bien te qu'il y a un pile balle que suite mi qui t'est affiché pendant week-end qui a venu là dans pays États-Unis en pile balle que suite mi qui t'a pral jouer et t'a qu'il y a un pile balle gagné tout les bordé dans New York que semblait Martelly t'après le jouer. Mais d'apprendre que, eh bien, suite Mickey, pour une énième fois, eh bien, ensemble de promoteurs, ensemble de producteurs, qui eux-mêmes te prennent, qui te prennent des affiches avec un surprise, avec suite Mickey, pas Martelly, non? Déjà suite Mickey, que Martelly lui-même, que lycée on a responsable, hein? Eh bien, ensemble de promoteurs, ça y est, ensemble de. Et moun kap produit kap réalise ensemble de bal sa yo et semble des Ibanez eh ben yo ta annulé ensemble de performance ensemble de bal que Martelly ta qui pou te jouer pendant week-end kap vini là eh ben suite Mickey
Eh bien, nous connaissons bien, dans dimanche, cap qui pour venir, cap 1er septembre 2024, là, dans l'occasion Weekend Labor Day, dans les États-Unis, côté que M. Dagui pour la jouer dans New Jersey, semble que il a annulé pour que suite mi qui parle jouer dans les bordés et l'autre affiche que il t'a gagné et qui a plus l'autre côté encore en plus l'autre rendez-vous que Matéli t'a gagné semble que tout ça a assemblé yo annulé pour éviter un ensemble de situations à cause question mais sanctions que le département trésor États-Unis pour contre ancien chef l'État Désir Venesse. Désir dans question la police nationale d'Haïti. Laissez-moi dire avec Zami Internet. Nous allons venir avec un article que Washington Post lui-même que lui mettait dehors. Et nous te mettait dehors tout de suite après ça que t'es pas comme sanction. Eh bien, Désir, après opération que agent UTAG, agent SWATIM, qui a été mené dans le Gressier pendant le week-end, ça, gagné DG la police, non? Qui c'est M. Rameau Normil. Rameau Normil dit que lui pas baissé bras. Les pas by vague et mobiliser avec toute équipe li nan ou comme la police nan avec gouvernement que li la donne avec Kony comme premier ministre nan avec conseil présidentiel yo DG Rameau Normil monsieur dit que pas gen baisser bras pas gen faire back mais nan action bandi yo et DG Rameau Normil monsieur dit que yo déterminé pour yo contrer carré action gang criminel yo. Objectif yo, c'est récupérer toute zone que bandi yo occupé. Et ben pour que la paix capable rétablir en dedans paysan pour me répéter et pour me citer DG et la police Rameau Normil Désir Venesse. Et n'a dit gagner chef et mission en Haïti qui c'est Godfrey Otunge. Monsieur dit clairement que jou bandi yo compté. Selon chef mission Kenya en pays d'Haïtien, monsieur Godfrey Otunge, monsieur dit c'est jou gang yo cap compté, yo doué suspend tout mandat peuple haïtien. Il fait déclaration ça vendredi 23 d'août non, dans moment que t'a recevoir yo équipe matériel Max Pro avec tout RL côté que pour amener des opérations pour river démanteler bandi gang en pays des Venesse. La situation de situation pour pays d'Haïti dans ce qui concerne les questions de sécurité, divers secteurs et acteurs qui impliquent, qui ont responsabilité dans ça, ils continuent à prendre position par eux, qui permettent que la police ou bien exiger la police comme une acte clé, et même gens avec Silao qui ont force l'armée d'Haïti pour prendre disposition nécessaire dans quatre coins géographiques pays. Tant que Jean-Premier ministre, Dr. Gary Kony, pour mettre pour arranger, pour permettre que force l'armée d'Haïti ait ensemble matériel adéquat et qui permettre que l'armée ait réellement utile le pays d'Haïti dans le cadre de mission que vous gagnez, qui c'est protéger territoire et permettre tout yo rentrer comme des professionnels l'armée qui fait premier ministre promettre qu'elle va le faire et centre national d'équipement qu'on connaît en pile et corruption faite dans l'institution ça nous les parler des CNE eh bien il va le permettre qu'elle fait un seul avec et l'armée d'Haïti et après si pour gagner poursuite ensemble monde qui a travaillé dans CNE pour gagner pour Antonio soit yo rester comme des employés civils si gagne dans qui pour dépasser l'âge pour rentrer dans l'armée comme des soldats eh bien il va rentrer dans l'armée comme soldat en plus monde fait quoi que ça va le permettre de marcher gonfler entre conseil présidentiel transition avec premier ministre et Gary Kony tout ça et en pile monde a pensé d'autre regarder et redétendre qui décision qui peut arriver prendre tant que j'en regarde sous Michel Joseph Martelly depuis après sanction yo qui pratiquement kembe un bon parti dans actualité Michel Joseph Martelly réellement tourmenté les personnes la caille commencé à bail Michel Joseph Martelly et ti machoué mari parce que là on veut comprendre madame ak petite pratique pendant déplacement yo qui ont été qu'on fait ensemble, qui génère des coûts en économie, l'argent, surtout sous compte en banque qui ont gagné, n'ont pas eu accès avec ensemble compte en banque si là, et bien les personnes qui commencent à causer gros problèmes dans la famille. Et c'est la raison qui a fait Michel Joseph Martelly décider de déplacer sans personne, pas qu'on ait qui côté le fait, pour d'ailleurs il va déplacer avec famille, les personnes et les amis internautes. Kounia, en pile aspect à questionner sur point ça, qui ça fait après sanction département trésor les États-Unis prend contre Michel Joseph Martelly
li gen possibilité pour faire déplacement à destination anonyme sans personne pas connaît. Pour certains, Michel Joseph Martelly, t'as dû on est qui sous contrôle, tel quel que soit côté le mettez pied, autorité américaine, t'as dû connaît. Même si là, qui en Haïti, si peut-être que t'as goumé, pour y avoir un pays qui normal, la justice haïtienne te doit saisir dossier et les États-Unis pas de prendre trop de temps pour te informer la justice haïtienne qui ça dossier est réellement qui permet que prendre sanction contre Michel Joseph Martelly et même des gros accusations qu'il y a avec question de drogue. Parce que ce sont les drogues, cocaïne, c'est parti bagaille petit qu'il y a en dedans pays ça, et bien les on est ou bien accusation ça est au sous dos et c'est mettre parce que tout le monde connaît Michel Joseph Martelly. Li réside et le passeport américain, nous t'a qu'à dire, c'est un citizen, c'est un privilégié des Américains qui te vient occuper poste à pouvoir 2011-2016 dans le pays d'Haïti. À part de ça, des personnes, tout le monde constate que le pays a totalement crasé sur le fond de programme banditisme légal. Jean-Hector Anacassis t'a déjà annoncé, il dit que des nègres qui veulent comprendre qu'il y a de protection, il y a un avocat pour l'argent. Dans l'idée pour qu'il protège, pour pas prendre sanction. Quand Jean-Hector Anacassis va parler de l'autre monde, de cette personne. Il t'a parlé de Michel Joseph Martelly. Eh bien voilà, vérité à blaye, département de trésor prend, le Canada prend, Kounia, qui est-ce, en pile en Ouapétan, qui vous prend sanction contre Michel Joseph Martelly, c'est le gouvernement haïtien. La justice haïtienne. Puis grosse sanction, c'est Haïti qui prend contre Michel Joseph Martelly. Parce que ensemble, accusation qu'elle gagne, qui bon, lui fait infraction, c'est en Haïti. C'est vrai, lui violer des lois, ok, qui garde avec ça, qui pour avec et convention, qui garde ensemble, ok, c'est des infractions transnationales et internationales, qui permettent que les États-Unis, communauté internationale, prennent des décisions. Mais qu'on y a nous-mêmes en Haïti, lui reviennent des lois comme pays souverain pour prendre des décisions par nous, pour exiger autorité américaine. Yo. Si c'est moi qui fait sous Michel Joseph Martelly, laisse ça y avoir dédommagé ancien président, parce que c'est l'image de tout haïtien en général que les États-Unis arrangé attaquer là si c'est à moitié fait sous Michel Joseph Martelly parce que c'était ancien président de la République bon même Jean c'est gardé dans la culture tout ministre de la culture t'a posé question tout comment faire dans ce secteur que l'a dirigé a bien on sentait et vedette yon superstar qui pratiquement gagne non cap cité dans ça qu'il y a avec question drogue et Kounia il a déclaré le personnage non grata dans plusieurs states États-Unis d'Amérique. Soirée qui était programmée avec Sweet Mickey, que Michel Joseph Martelly se chanteur et principal chanteur vedette dedans, li pa ka pointé sur stage pour l'honorer ensemble contre ça. Ça veut dire staff management et Sweet Mickey pral nan gros problème. Yo pral nan crise économique, en pile nèg pral nan chômage. On est tan kou Jojo Loke, on est tan kou Nelson, tout nèg sa yo. Groupe bandit légal, tout le texte va dans le groupe dans la République de Stetson. Si ça peut être un petit coup de tête dans le cap haïtien, songez, vous avez une information dans le cap haïtien par rapport avec visite et Premier ministre Dr. Gargoni, en pile, vous regardez son visite qui a un paquet de coïncidences là-dedans, parce que le premier monde qui était allé, c'était Denis Hopkins et ambassadeur pays les États-Unis, qui était bon visite dans le cap haïtien. Par la suite, nous pourrons constater le suivi du Premier ministre Dr. Gary Coney avec corps diplomatique qui ça ou t'as réglé. Est-ce que l'ambassadeur américain t'a fait place pour te recevoir Gary Coney? Parce que je dis en pile monde dit qu'il y a une feuille de route que Gary Coney gagne, c'est ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de France qui balil. Est-ce que c'est lui-même qui a exécuté surtout dans la visite qu'il fait dans Grenoble? Premier ministre Gary Coney écrit ça sous compte X. Moins ouais, moins écouter, moins apprendre, moins recevoir doléances avec message, l'espoir, paysans, investisseurs, à qui ont parti dans jeunesse nord-est là. Gouvernement prend le travail pour renforcer production Maribaou et puis arranger pour être capable de démarrer avec construction lycée technique agricole René Théodore dans Wanamet pour aider à améliorer revenu agricole. C'est ça. Et Premier ministre Dr. Gargoni déclaré. Il continue pour le dire. Moins content parler avec Roselyne Joseph, maman bébé, et Sia Moyo, qui arrivait à l'hôpital Mibale. Moi, remercier autorité nord-est, autorité santé publique, ambulancier, qui arrivait conduire famille l'hôpital Mibale. Moi, parler avec direction de l'hôpital là, pour encourager, faire tout ça qui possible,
ak support gouvernement pour garantir santé bébé sa yo. C'est un scandale. Non, des pays, côté te gen on jeune demoiselle qui est Rosine Joseph qui accouché yon bébé si à moi. Len parle de bébé si à moi, c'est deux bébés qui fait tout collé. Yo collé yon pas séparé de l'autre. En plus moun te estimé c'est ton mystère, eh bien, de vivre fait dans pays d'Haïti. Eh bien, premier ministre rencontré avec maman, yo obligé accompagner yo pour aller à l'hôpital Mibale pour est-ce yo cap fait opération pour cap détacher de bébé sa yo Blaise Peterson. Premier ministre Dr. Gary Conille continue dans sens parle pour dire que la prend responsabilité. Mais n'a rappelé dans visite Dr. Gary Conille sous canal là, il pas traché un mot avec journaliste yo Blaise Peterson qui suscitait un pile débat. Gagné ancien député Dieu Tadje, c'est ancien député et Pétionville, après Blaise Peterson. Ouais, c'est Pétionville. Exactement. Qui dit exactement. Moi. Oui, ancien député et directeur Dieu qui sorti dans 50e dans là si m'pas trompé. Ancien député Pétionville et nous connaissons monsieur c'était président commission et sous question changement constitution. PIA, chita parler. OK? Important parce qu'elle doit aboutir à un nouveau projet société pour Haïti à caillon passé main dans constitution. C'est de responsabilité que monsieur dame ça a gagné dans comité pilotage que vous mettez en PIA qui pourra discuter sous l'autre Haïti et planifier discuter avec ensemble peuple haïtien de vous parler des questions et dialogue national conférence nationale ou de ouais Sineptelp qui t'a prôné question ça en pile nèg pas d'accord mais je dis arriver comprendre faut que dialogue national qui cap permettre que nous sortir dans situation que nous trouvons. Si la garde question insécurité en dedans pays en toujours les personnes mon cabaret pas qu'on a qui sain yo doit adresser yo et bien bandi exam qui prend commune cabaret en otage depuis plus passé 5 mois. Eh bien, yon arrive kidnappé ou pipiti 5 moun dans zone si la. Et ça permet violence à la Perez continuer à blayer dans le cabaret. Population qui m'a dit, avec autorité qui dans la police, qui dans la justice, qui dans le gouvernement, pour au moins songer existentiel des vitesses. Autorité communale qui trouve dans grand pays, si n'a gardé question Kazek yo, et bien, il y a Kazek dans 47 sections communales qui te entendu pour te chita discuter avec magistrat yo, avec délégué départemental là, sous opération que y a mené, qui est le nettoyer grandance pour chercher tout côté Zéphéis, Zagoloraï, sans foi ni loi, entendu pour faire sans couler. Dans le processus, pour monter question, conseil électoral provisoire, ma souhait gonfler continuer dans mi-temps organisation qui a défendu droit moun yo, pour jusqu'à présent, les situations, yo pas qu'à une formule, pour yo désigner qui est-ce qui pral représenter yo, dans sa qui vient pour avec monter conseil électoral provisoire, qui toujours, yon processus très douté, parce que moun qui en est dans le pays, et diaspora yo, y a posé cette question, est-ce que élection, qu'a arrivé possible, si insécurité a pas résolu? Est-ce que élection cabrivé possible si niveau précarité chômage si dans pays a pas gain rien qui fait comme amélioration pendant qu'on est gouvernement qui là a parlé des déficits budgétaires il y a besoin au moins remembrer et économie pays a pour parler d'élection à part de ça la situation c'est des arrivistes c'est des monde qu'on pas même espérer c'est des coq qui pourrait arriver continuer venir pouvoir pour conduire pibal que côté nous jeune aujourd'hui la situation. Effectivement, Desi Benes, nous chargez Koula pour l'oeil et nous prenons le mon cher Gébara, nous chargez Koula pour l'oeil. Et nous prenons des amis qui nous ont capturé l'émission ça dans Kalfou Vérité matin. J'en ai toujours des amis qui ça. En nous like émission nous. C'est la meilleure façon de encourager de travailler avec Desi Benes. Like, partagez-le. Quittez un commentaire et soit peine tombé sous média ça yo qui c'est mes sacs nouvelles, Blaise Info, Pain et Nouvelle, Valcalbas Info, Racine Nouvelle Haïti. Abonnez avec Média Sayo pour capable grandir communauté nous. Et bah bon, menti là, c'est bon j'ai information. J'en dédie en désir, gè plusieurs dossiers qui nous cal parler sur yo. Encore dossier qui gè pour avec dossier sanction contre ancien chef l'État Michel Joseph Manté. C'est vrai ça kembe actualité et nous mettez focus sur lui, mais c'est même gens avec tout l'autre nèg qui nous te connaît soit département d'État américain était sanctionné. Donc, ancien PM Jean-Max Belrive, ancien sénateur Nenel Kassi, et pays Canada était sanctionné. Et bien, tout ensemble de monde qui était passé dans pays ça, comme autorité, soit, bah, qu'on est si c'était ZAM qu'il était, bah, qu'on s'était utilisé. Mais pendant qu'il était chef, que l'ité responsabilité
contribué dans le développement pays ça, au lieu qu'il t'ait fait ça, c'est enterrer qu'il t'ait enterré pays ça. La question pour tes zaman dans ghetto, on est capable d'alimenter sous insécurité, on créer instabilité, impliquer dans question de trafic zam, on fait zam entrer dans pays, on conteneur à bay en dans ghetto yo. Et trafic drogue, blanchiment l'argent, vendre ressources pays ça, mais n'a dit des yevenes, quel que soit mon courrier, dans quel que soit secteur courrier, jodi an la, faut que gen de décision qui prend compte moun sa yo. Et faut que société haïtienne parel pour commencer voyez moun sa yo dans poubelle histoire, voyez moun sa yo jeter pour dire que nous pas besoin moun sa yo. Jodi am toujours dit moi même pendant 30 dernières années sa yo pays qu'on est deux gros régimes. Moi-même, à ma connaissance, oui. Bon, je dis, pendant 20 dernières années, ça m'a dit comme ça. De 80, de retour à Aristide, en 94, mais 95, c'est 94, arrivé journée, je dis en là. Moi, mettez dans le temps, de 94, de retour à Aristide, après exil, à journée, je dis en. Pays d'Haïti connaît deux gros régimes qui c'est Lavalas avec Aristide, Lavalas avec René Garcia Préval. Parce que les Aristide retourne en 94, Lipral fin fait reste mandat en 95 et de fait 95 commencer année 1996, Lipral organise élection. René Garcia Préval, d'après le fini comme président, pas oublié. M'gwe Préval, l'issé était premier ministre Aristide en 90 ou 91, si m'a trompé. Ça veut dire, Préval vient retourner, vient président dans l'élection 95-96. Préval prête serment en février 96. Libéral fait de 96 à 2000, à année 2000, et 2000 que Préval fait élection. Et 2001, Aristide pral vin président. Malheureusement pour Aristide, et Jean qui reprochait de mauvaise gestion, bien que tout, et nous connaissons tout.